Bon, les gars, Il est je vais vous. comparable, j'ai envie d'aller chier. Kaitlyn Jungle, ça vous va? Et Only Mike? C'est qui Only Only Mike. Je sais pas. Oh, j'ai mis. Only Mike, ça fait longtemps. Le collègue, nous pas trop. Qui jouait de Steam. Non, non. C'est celui qui jouait à. À Dota, c'est qui veut jouer là et nous. Spoon Poitoro. Machin, et ça, machin, Placemaker, non, je sais pas. Oh, il a mangé les tartares. On va aller chier. Il mangeait un bon tartare, man. Ça fait bientôt que je vais pas manger de la viande crue. Crue? S'en fout. Quand il est juste une seconde sur le fou après qu'il sort. On en avait hack vraiment compte, man. Ouais, mon petit fait la donner son mot de passe. Quel con. Qui voulait que je banne ban le nouveau champion. Le nouveau champion, comment il s'appelle le nouveau? Very. Non, pas ban ça, c'est facile la tête. Il est une claque. Comment on écrit la tête. Z. Z. Voilà, bien. Et ban un peu Morgana, ban un peu Morgana, ban un peu Morgana. Allez. Il ban que d'aller. Bah, c'est toi qui me dis Morgana à 1 seconde. 1 seconde, Morgana, tu dis. Oh non, non. Non, non. Aussi. Putain, je suis obligé de prendre mon main. Putain, fuck, moi aussi. Karen, Karen. Ah non, et la Lola est mon main. Et par contre, man, bah, j'ai vu les plus les pires bonobos de ma vie, les gars. Eh, hey, hey, vous piquez tous à 3 secondes. Bro, et... j'ai vu les pires bonobos de ma vie, man. Là, 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 actuellement, man. Et vrai, c'est la moitié, man, ce que je ne vois. Tiens, regardez. Regardez, man. Oh, eux, ces deux-là, man, c'est les pires toutes balles de la ville, man. 4 secondes. Regarde, Kilo. Regarde, man, eux, c'est les pires mecs de toute la vie, man. Allez, chaud, ok. Ok, regarde bien. Et quel skin tu prends? Spirit Blossom? Asmo? Ouais. Ok. Il est où? C'est télé, bro! T'as pris un chroma? Et là? Ouais. Ils sont noirs. Le noir? Eh, vrai. Ah, les gars, Spirit Blossom, bon, ben je joue 20. Obsidienne alors, hein? Il est t'as vu, bro? Voilà. Ah. Je joue Vayne alors, hein? Spirit Blossom. Voilà. Aïe. Allez. Oh, Kilo, t'as vu? Vagon, ouais, faut pas s'en parler, Kilo, hein? Et j'ai fait. Waouh. Gasmo, vraiment. C'est ça. Tremblement, Asmo, c'est un chantier. Full CC. Et il n'a pas y aller. Et t'as dit Spirit Blossom, mais. C'est la Hesse. C'est la Hesse, Clément. Ah. C'est un menteur en fait, ce Asmo. Ce Asmo. Oh, le skin. Alors, le skill. Allez, c'est FF Merune Toy. J'ai pas eu le temps. Bon.
Mec, j'allais clairement faire du Bane Junkin. Putain, man, y'a un Jax, man. Clément, tu m'as dit, faut le faire, faut pas laisser mon... J'allais Clément le faire. Boys. Elise, Jax, oh my god. Good luck, les gars. Et Master en face? J'aime mes Master. Bon. Ah, j'aime Master. Silver, Silver 4. Oh, merde, en flex. Duo. Le Jax, Kindred duo. Elise et Kiana duo. Aga, émote diamant. Et à vous, n'a pas ça. N'a pas ça à vous. De quoi? À vous, on n'a pas ça. La frère. Non, à vous, on n'a pas ça. C'est bon. Diamant. Non, on n'a pas ça. Platinium. Non, mais vous, il n'y a pas ça. On a créé 6 ans, ça. J'arrive. Ice Mode. Que digo, mãe? 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 Tem a Fivari need med. Nela? Tiari. Bom, Faru. Mas eu digo Faru. Faru? Sim. Na área. Mover no kit. Faurício 3. Faurício 3. Ani la flash, hein? Pi, ani la flash. Acho que o mec la flash, mano. O que tem lá? I come in peace. I come in peace. Little piece of shit. Attendez, je vais sur YouTube chercher une musique. Bam! Première musique que je vois, je la mets. Ok, mes gars, la musique? Ok. Et tu crains de commencer au cul, hein? Mec, j'ai cru t'aller grabber quelqu'un. Mais comme t'es autiste. Oui, bien sûr. Et je passe à l'air une dame, en plus. Bref. Ah, moi, c'est pas aussi ça l'air une. On bat les couilles. Bien! Tu sais bien, hein, ma gueule. C'est l'une là. Ce chaîne là, c'est la 3090 qui fait ça. 4000. Chaîne, on va passer level 2, Si tu tues ce mignon, go. Ok, la gamme. Bon. Le mignon. Quel mignon? Ok. Dessus 12 armes. Chaîne, il a. Ok, chaîne. Nice. Elise stop. Qui Et va aller sur mon raid. Ouais, man. Non, j'ai raté un. Oh, oh. Quelle affaire? Elle est là. Yes. Man, je peux pas machin. Okay. Elle est ici là, Elise. Ouais, Faru, man, pas fight. Pas me fait perdre des minions, man. Ah, oh, nice. Hey, c'est pas les bonnes touches. J'ai flash sur le 2 heal. 2 heal. Attends. Oh shit. Lara, j'ai acheté des choses. Man, si tu peux back là, pas prendre la tapis. 2 minions en XP. Yep. Oh my word, move shindelu. Ah, it's better than me, Zos. She's it on the Kraken and Gale Force. Gale Force? Gale Force. Je
Man, pas le Kraken, il n'y a même pas de temps qu'on fasse. Et prends Immortal Shield Bow. Attends, je vais warder. C'est big la wave, hein, on les respecte. Hein. C'est wadi, là. À respecter, Aurima. Prends le canon, t'inquiète. Là je peux décaler, ça pêche la wave sur l'autre. Si jamais il vient sur toi. Putain. Ok, go, c'est quoi celui, c'est... Ah putain, piston. Ok, vas-y. Tranquille, ok. Ça va chez moi. Là, je vais écrire. Attends, ça, non. Chien. Non. Une auto, tu l'aurais tué. Vas-y, Mimi. Alors, prédic. Ok, c'est elle. Cette Kindred là. Ok. Oh shit. Allez. Mimi. CC. Prépare. Mec, j'ai 4 secondes de CC. What the fuck? Ok, y'a Brent. Y'a Brent. Quad Ward. Falling in love. You Ward. Ok, Elise, elle est top. Elite bot side, elle va s'y son raid. Ok, là elle était mort. C'est beurre. Yo, j'ai pas de roquin, attention. Bon, cool. Bien. Putain. C'est le mauvais endroit. What? Allez, c'est là? Non, même pas. Ouais, c'est dégâts, ou? J'avoue que t'as pris des boots. T'avais mis. J'ai oublié. Ok, Elise, elle est là. Et moi, j'ai fake en fait, Miru. Enfin, j'ai fake. J'ai trompé de Runa. Putain, là, mes bots vont arriver en 9 minutes. Mic off. Falling in love. Et quoi il me parle cet idiot? Amoureux de toi? Lol. Allez, posez nous un contrôle. Et le Drake. Ok, il est là l'autre. Un petit détrofiste. Oh, ça me saoule cette Elise, man.
Elle donne carrément l'avantage à sa team, quoi. Parfait. Ah, c'est... Ok. Oh shit, tu là? Place, t'as fait un? Ok, nice. Non, oh, j'ai cassé le mur. Je suis bon pour casser le mur, hein? God. J'ai carrément cassé le mur, hein? Place, oh mon dieu. C'est man, hey, c'est bon, man. Hey, elle fait cette game, man. Ouais, elle reste que au top, hein. Elle est jamais venue par là. Hein. Man, le Jax, il a 2 kills à cause de ça, man. Fucking pussy, man. Non, je vais rester toute la game. Viens dedans. Ah, shit. Ok, go. Waouh! C'était fou de ma bouche! C'était malaisant, man! Oh, nice! Ah, c'est grave. Il a smooth, ça! Oh, Drake! Et cette ulti là, bro, les gars! Godric. Ok, elle est top, mais on a le temps. Viens. J'ai pas ma plaque, j'ai besoin de galette. Sale pute. C'est la quinte, elle va vouloir pas venir. J'ai besoin de 100 balles, bro. Comment? Allez, man, elle m'a mis tout au top, man. Fais chier. Ok, allez. Attends, Finn, il est occupé. Tu peux le 1v1. Nice. Go bot. Elle a plus rien, la mob. Elle peut même plus sauter une fois. Yeah. Nice, yo! Allez, Red Bull, nice! Yo, yeah, c'est flash! Il est ta papa! Merde! C'est flash! Y'a quelqu'un qui est là, Elise, elle est le top side, fais gaffe. Mais c'est sûr, top side. Man. C'est sûr, man. Wardy top. Mao, man, c'est fou. Flash to sleeping. Détruise, man. Ils ont détruit tous les pinks, man. Elle est tout le temps au top, man. Et Joe, 150 déjà, gaspillé, man. Jax, bot side. Ah, c'est bro, c'est comme ça, il a pas ramassé les plaques au mid, il est ult. Pas loin en fait. Hein? Oh shit. Il croit pas qu'on est aveugle. Vima! Ok, prochain, même pas. Il est le mignon, man. Mignon diff, quoi. Attends,
T'es sûr, hein? T'as ton heal? Oui, okay. J'ai mon heal. Et si tu fais sur le brin, pas de... Je veux qu'il pêche, en fait. Il vient sur la tourelle. Oh my god, bro. Bro, j'anticipe, man. Et le lit qui s'est passé entre les deux, man. Hey, c'est pas moi, man. C'est pas si peu entre les deux en même temps. Regarde, hey, attention. Il est passé pour le cocon. Restez malaisant, man. Ah, mais oui, attention. Je sais pas, j'arrive, je suis là. Alors, c'est le grand, Ok. Nice. Ah. Nice. Ok, vas-y. No way. C'est good. Nice, bon ça. Triple kill, Tara. Et triple kill, et la arrow. Trop bien. c'est la deuxième fois. Là, les gars, pink. Alors, t'as une seconde, Ludric. Je laisse la tower top. Clairement la deuxième fois, hein? But up. Épée, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a là? Attends, ok, je suis. Asse-moi. Moderator. Tens la tien, Kindren. Oh, il est. Bro! J'ai plus envie de m'entendre, tu vas loin aussi! J'en éclair, hey. J'ai une ratée encore. Vas-y. Vous êtes fous, non. 15 secondes, le machin. Le Hérald. Ça, c'est une infernale. Amimu, 15 secondes, le Hérald. Style. Tiens, pour la ward blushing. Non. Ok, j'ai ma shield bow, enfin, putain. Non. Putain, Lisa, allez, c'est bon. Tu tank? Je peux pas venir, t'as pas de bump. Go, nice. T'as une voix. Ok, nice. Ok, là. Vas-y, Asmo. Nice. Yeah. Chain, t'en nul, t'as béto. Yeah. T'as wesh. Ah, shit. Yeah. Putain, non, what? Non, allez. Ok, Asmo. Oh, nice. Vas-y, Chain. Même les petits pop. Ok, nice. Ok, BG les gars. Hérald. Ouais, non, vous voulez te rapporter à Chain. Ce que vous voulez. BG les gars. Non, il va respawn, c'est mieux Hérald. On va y crever là. Comment? Direct? Direct. Elise, elle arrive. Elle est où? Non! Hérald, ne me tue pas! Non! Connasse! Ok. Vas-y, amis, prends le truc mauve! Le truc mauve! Hey, un de vous, ouais, chuchez! Voilà. Tu m'as sauvé! Écoute, t'es trop fort!
Bleu, non. Et cette araignée de merde. Mmh, bah, chier. Et on pêche une tour, vous pensez? Vous pensez qu'il pêche une tour? Go bot alors. Ah non man, on dirait deux tours. Hein. Une ou deux man? Deux hein. Yeah, go, Je vais pas m'assurer là. Let's go, les gars! Après, machin, à moins il peut TP. Moi je peux TP. Hein. Mais ça pour l'objectif, pas pour un fight. Oh, TP pour un fight, pour un machin. Y'a tout le monde! Yeah! T'es sûr? Ok. C'est comme vous voulez. Hein. C'est haram! Moi je pêche. Hein. Ok, c'est nous. Y'a pas de ward man. Y'a pas de ward man. C'est fin. Man. Ça bait. Ok. What? De la mairie, non. Putain, fait chier cette hélice. Mao, non, mon ult. C'est dans le tas en plus. Y'avait pas ton. Hein? Y'avait pas ta lanterne, Botof? Putain, je voyais pas, man. Évidemment. Quand on est parti dedans, la canne m'a ulti. Il y a le Drake, hein? Voilà. Ben, c'est live, qualify. Ils sont tous là. On peut guérir, c'est bon, ils sont pas pour un seul point. Ah, tu es quoi? Non. Bon. Sinon il baron et c'est trop de gold donné. Vaut mieux retenir fan tranquille. Parangin là. Attention, Jax. Ok. Viens avec toi. Yeah. Elise, tu vois. Oh nice. No way, man. Ok, elle a plus de sel. Non! Yeah. Ah, mais man! Faut dire Mimu! Yeah. Non! Chien, man! C'est des fights de merde, man! Non, ouais! Hello! Still, daddy! Là, il va tu faire le baron. Tu vois plus la jungle. En fait, ils déwattent trop vite, man. Je te dis. Bah, ils ont trop déwatteurs aussi. Ouais, man. Tu poses une ward, y'a plus, man. Tu poses une pink, y'a plus, man. Et. Bonjour. Man. Oh, c'est putain, man. Bloque-le. Ah, y'a quelqu'un là. Vas-y, bloque ce qu'on a. Qui est là? Nous, on est là. Je le stun. Putain. Mon Farou, man. Farou. C'est la mort. Ils ont le baron. J'ai dit.
Ya, il t'a gagné fort. Allez, descend. Ça, je voulais rien. Là, le mec, il saute vraiment encore. Saute, saute, saute. Eh, boy. On ulti dans 10 secondes. Bah, ça sert à rien. Faut juste essayer de tempo. Tu es les minions. Putain, man, exhaust, man. C'est tellement fun ce game, man. Là, Je pense qu'on a bien tempo. Mais on revient pas de ça normalement. Jack, s'il arrive, il pète et c'est fini. À chaque fois on est 5v4. Hein. Attends. Ben allez. Oui, il y a des engages. On n'a pas air, man. Attention, Putain, man. Je me suis fait engage. Viens un peu, on prend ça. Ok. Yeah, il est fait. T'as pas dit? No fucking way, je. Vraiment. Yasmo! Attention. Asmo! Ok? La Elise. Yasmo, va camper ta vie, Terry, à l'humain! Yasmo, Terry, tu peux tata-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 
C'est qui lui? Tau. Tau. C'est moi, Karuma. If you gave me the chance. Déjà les yeux bénis. Descends maintenant. Oui. Attends, il parle à ce moment. Oh putain, il s'est mis. Allez. Allez-vous tout. Allez-vous. Go stop. Ok alors. Ouais, je suis stop aussi alors. Ok. Dis ça maintenant. Bon. Et c'était dégueulasse cette game. Yibu. Putain, j'avais les mauvaises lunes en plus. Moi, j'étais jamais là au fight, man. Il y avait tout le temps du fight au bot. Au mid, j'étais jamais là, man. J'étais soit en train de push, ou soit en train de push, man. Mais what the fuck, man. C'était full fight. En plus, je courais après ma IE, man. J'avais jamais la IE, man. Et ouais, ça m'a énervé ce game. Putain, j'ai peur. Mic off. Non.
Bonsoir, bonsoir à tous. Nouveau rendez-vous exceptionnel ce soir sur BFM TV. Le premier tour de la présidentielle, c'est dans tout juste deux mois pour débattre et pour faire un choix. Dans cette émission, ce sont les Français qui ont la parole et qui interrogent directement un candidat sans filtre, sans langue de bois. Alors ils sont, vous allez les découvrir dans un instant, salariés, fonctionnaires, retraités, des femmes, des hommes, avec leurs difficultés, leurs doutes, leur regard tout simplement sur la politique et la société. Ils ont surtout un point commun, ils et elles avaient très envie de vous rencontrer et d'échanger avec vous, Éric Zemmour. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et de prendre le temps ce soir de répondre à ces Français qui ont des questions très directes à vous poser sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur la santé, tout simplement aussi sur l'avenir de la France. Je salue tout de suite Ashley Chevalier qui est au contact de tous ces Français depuis plusieurs jours. Elle les a tous rencontrés à leur écoute. Bonsoir Ashley. Bonsoir Bruce. Vous allez tous nous les présenter un par un dans quelques instants. Hein. Oui, ce soir, ils sont 50. Ils ont entre 19 et 64 ans. Ils sont tous franciliens et ils incarnent tous à leur façon les contrastes de la région la plus peuplée de France. La plupart vous connaissez comme polémiste. Ils vous connaissent moins comme candidat. C'est aussi pour ça qu'ils voulaient vous interpeller sur des sujets qui les concernent. Alors ce soir, ils vous parleront de leur pouvoir d'achat, de leur santé, de l'éducation de leurs enfants ou de leurs élèves. Il y a beaucoup de professeurs dans la salle, je pense. Par exemple, à Elvina, qui enseigne le français à Corbeil-Essonnes. Aucun sujet ne sera éludé ce soir. Ce n'est pas votre genre, de toute façon. Certains d'entre eux ont voulu vous parler d'immigration et d'intégration. Vous allez par exemple rencontrer Zina. Elle est fière d'avoir appelé ses enfants Mehdi, Riyad et Yanis. La sécurité, vous en discuterez avec Marilène. Elle en a marre d'avoir peur quand elle sort de chez elle. Certains sont sensibles à vos idées, d'autres carrément hostiles. Ils n'ont pas tous fait leur choix, donc ce soir, ils seront très attentifs et ils attendent surtout du concret. Merci beaucoup Ashley, à tout de suite. Je salue aussi Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV. Bonsoir Philippe. Bonsoir, et Jérémy Trottin. Bonsoir. Bonsoir Jérémy, bonsoir chef du service politique bonsoir de RMC. Ils interviendront régulièrement dans l'émission pour vous demander une précision, pour pointer une contradiction éventuellement, et aussi, et ça c'est très important, pour relayer les questions des téléspectateurs, parce qu'on est vraiment dans une interactivité totale. D'ailleurs, dès maintenant, je crois qu'un QR code s'affiche à l'écran. Alors vous connaissez le principe. Absolument, qui vont vous... Mais pourquoi pas le QR code qui s'affiche, il suffit de scanner ce QR code, vous avez l'habitude, avec votre téléphone portable, comme si vous preniez une photo, et hop, la question arrive directement à Philippe et Jérémy, qu'on retrouve dans quelques instants. Ça vous plaît le principe de cet échange? C'est pas votre exercice le plus fréquent. Ah non, bien dire. C'est très rare. Ouais. Enfin, ça dépend. À la télévision, c'est très rare. Moi, à la télévision, j'ai l'habitude de débattre avec beaucoup de gens. Des gens très différents, des hommes politiques, mais aussi des intellectuels. Mais aussi, j'ai connu le temps des débats avec des acteurs, des chanteurs. Et puis, dans la rue, je débat toujours avec les gens. Vous savez, c'est assez amusant d'ailleurs, depuis 10 ans, depuis 15 ans, les gens viennent à moi, non pas seulement pour faire des selfies, mais en fait, ils veulent débattre avec moi. Parce que comme je débats à la télévision et que j'aime ça, j'aime la confrontation des idées, eh ben les gens, ils se piquent au jeu et ils viennent me dire « mais là, je suis pas d'accord » ou « là, c'est formidable », etc. Et puis, je suis content de rencontrer les Français. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est ça. La rencontre d'un homme et d'un peuple. Quoi. Donc, voilà. C'est vraiment l'objet de ce rendez-vous ce soir sur BFM TV. Nous sommes en direct d'Aubervilliers, aux portes de Paris. C'est le principe aussi de l'émission. Mmh. Vous avez choisi le lieu. On demande à chaque invité. Par exemple, la dernière émission, Valérie Pécresse avait demandé la Corrèze. On demande un département. Et vous aviez demandé la Seine-Saint-Denis. Vous êtes né dans ce département. D'ailleurs, on ne disait pas le 93 à l'époque. Hein. C'était un autre département. On disait, non, c'était devenu le 93 après. Ouais. Mais quand j'étais enfant, c'est surtout qu'on disait la Seine-Saint-Denis. Voilà. Et on ne disait pas le 9-3 en tout cas. On ne disait pas le 9-3. Maintenant, on doit dire quoi? On doit dire l'Afghanistan? Ça dépend où? Ça dépend où? Vous savez, il y a un véhicule blindé là ce soir. Je suis venu avec deux voitures avec 6 policiers. C'est pas mal déjà. Mais vous savez, je prenais toujours le métro. Mais d'abord, attendez, restons un instant sur cette, parce que ça a fait beaucoup de bruit. Ouais. Vous avez comparé plusieurs villes à l'Afghanistan et en gros, vous avez dit partout où il y a une forte communauté musulmane, ça devient l'Afghanistan. Bon ben, Aubervilliers coche cette case. Excusez-moi, quand on a vu le reportage sur M6
sur Roubaix, on se dit vraiment c'est l'Afghanistan à 2 heures de Paris. Quand on voit que dans des villes de banlieue, il y a des endroits où on ne rentre pas sans montrer patte blanche à des petits trafiquants de drogue, moi j'appelle ça l'Afghanistan. Quand on voit plus de femmes voilées et de kebabs que de jeunes femmes en jupe qui se font cracher dessus ou de librairies qui se font casser, j'appelle ça l'Afghanistan. Et ça existe dans d'innombrables endroits en Seine-Saint-Denis et ailleurs. Alors justement, j'attaque directement là-dessus. Pourquoi ? Parce que pour tout dire, on a eu un mal fou à faire cette émission dans ce département. Pourquoi ? Parce que plusieurs villes, plusieurs lieux ont refusé de vous accueillir. Ça a été le cas de Montreuil, par exemple. C'est un lieu qu'on avait choisi, très beau lieu. Hein, on ne va pas le reciter pour refaire de la pub, mais très beau lieu. Et au dernier moment, sous la pression du maire Patrice Bessac, non, il a dit que vous véhiculiez la haine, la violence et le racisme. Moi, je suis très triste, je vais vous dire sincèrement, parce que j'étais heureux de retourner à Montreuil. Vous savez, Montreuil, d'abord j'y suis né, et puis surtout, mes grands-parents paternels habitaient là. Habitait derrière la rue de Paris, dans une cité derrière la rue de Paris. Il y avait le marché. Vous savez, j'ai vu dans mon enfance, j'allais tout le temps à Montreuil parce que j'allais souvent chez mes grands-parents. Donc je prenais le métro, la ligne 9, je descendais à Croix-de-Chavaux et j'allais là. J'ai vu construire le Paruniste. J'ai été un des premiers clients du cinéma Méliès. Vous voyez, mon père me donnait 10 francs et on allait se payer un cinéma. J'ai vu construire, écoutez-moi bien, l'échangeur du périphérique de la porte de Bagnolet. Je m'en souviens très bien. Les temps ont changé. Non, c'est pas ça. C'est que je vous... Le maire s'est dit insulté parce que vous dites de ce département. Moi, je vais vous dire, je considère qu'il me donne raison. Ce maire, qu'est-ce qu'il fait ? Il refuse l'entrée d'un département français à un citoyen français qui est né. Il considère donc qu'il y a des Français qui ne sont pas de... bienvenue dans sa ville. Mais au nom de quoi ? Pour être plus précis, il ne peut pas vous refuser l'accès à la ville. Disons qu'il s'y est opposé et qu'il a appelé à manifester. Bon. Vous savez, moi, j'ai connu le Parti communiste il y a longtemps. Et le premier secrétaire du Parti communiste, Georges Marchais, parlait exactement comme moi pendant la campagne de 1981. Vous comparez à Georges Marchais sur l'immigration, vous pouvez retrouver les discours de Georges Marchais pendant la campagne de 81, où il dit exactement ce que je dis aujourd'hui sur l'arrêt de l'immigration légale et illégale, sur la laïcité, sur l'assimilation, sur l'interdiction des voiles, etc., etc. Les Français vont pouvoir vous interroger. Je précise aussi, pour être complètement transparent, que beaucoup de Français aussi... on dit oui, puis non, hésitez à venir, à vous rencontrer, la pression de leur entourage. Ce qui montre aussi que vous n'êtes pas un candidat comme les autres. Voilà, J'en suis fier. Oui, enfin, je ne suis pas un homme politique comme les autres. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un politicien. Ouais. Moi, je dis le réel. Je dis la vérité crue. Et je propose mes solutions. Effectivement, je ne change pas d'avis en fonction de l'évolution de la société, comme votre précédente invitée. Je dis les choses aux gens. Les gens aiment, les gens n'aiment pas. C'est Valérie Pécresse, on peut discuter. Éric Zemmour, voilà, c'est parti. C'était l'introduction de cette grande soirée que nous allons passer ensemble sur BFM TV. Mais surtout, maintenant, place au dialogue avec les Français. La première partie, votre argent. Et juste avant de donner la parole à Gilles, je rappelle qu'il y a ce QR code qui s'affiche à l'antenne, à l'écran, et qui vous permet, à vous qui nous suivez ce soir sur BFM TV, chez vous, eh bien, d'interpeller également Éric Zemmour, vos questions sur tous les sujets d'actualité, les sujets liés au programme également, bien sûr, du candidat que nous recevons ce soir. Encore une fois, très facile, vous scannez ce QR code et vous aurez les questions qui seront relayées par Philippe Corbet et Jérémy Trottin. Allez Ashley, on commence avec vous et notre première invitée. On commence avec Véronique. Véronique a 53 ans, elle vit seule avec son fils de 19 ans. Sa préoccupation principale, bon, après les résultats scolaires de son fils, c'est son porte-monnaie. Elle a plein d'astuces, Véronique, pour faire des économies. Bref, le système D, c'est devenu son quotidien. Bonsoir Monsieur Zemmour. Bonsoir madame. J'aurais une question à vous poser au sujet, à ce sujet justement, concernant le pouvoir d'achat. On commence. C'est pas facile d'achat, de passer en premier, Véronique. Allez-y. Concernant le pouvoir d'achat, que proposez-vous pour justement la classe moyenne ? D'abord, effectivement, il y a beaucoup de gens qui tirent le diable par la queue. C'est une expression connue.
y a des gens qui ont du mal à finir leur fin de mois. Il y a beaucoup de gens comme ça, et il y en a beaucoup dans la Seine-Saint-Denis, mais dans toute la France, en vérité. Je peux vous demander quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Dans quel secteur vous travaillez? Je suis comptable. Comptable? D'accord. Et vous vivez où, en Seine-Saint-Denis? Non, je vis dans les Hauts-de-Seine. Hein. Ah, dans les Hauts-de-Seine. De toute la région parisienne. Vous avez triché, alors. De toute la région parisienne. Non, non, non. Vous vouliez absolument me rencontrer, je comprends. donc, on parle du pouvoir d'achat en général. Moi, ce que je pense, parce que tout le monde parle du pouvoir d'achat, tout le monde vous parle du pouvoir d'achat, donc j'ai écouté, j'ai observé un peu ce que disaient tous les autres candidats, et j'ai compris une chose, c'est que... ils vous disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils vous donnent, ils vous font des grands cadeaux, ils vous font des chèques, etc. Mais en vérité, vous savez, ça c'est de l'argent théorique, c'est de l'argent magique. Tous les chèques qu'on vous fait, c'est l'argent qu'on va chercher dans votre poche. C'est l'argent qu'on prend après que vous avez payé vos impôts, après que vous avez payé vos charges sociales. Ne croyez pas à ceux qui vous font des belles promesses. L'argent magique n'existe pas, c'est le vôtre. Ça, c'est une première chose. Donc, la première chose que je ferai pour votre pouvoir d'achat, c'est de réduire les dépenses. Les dépenses de l'État, les dépenses de la sécurité sociale, les dépenses somptuaires, à la fois sur le budget de l'État et sur la sécurité sociale. En partie, les dépenses somptuaires sur l'immigration, mais pas seulement, évidemment. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, ce que je voudrais, c'est... On a un gros problème en France... Vous êtes comptable, donc vous allez aisément me comprendre. Le salaire net est trop bas, le salaire brut est trop haut. C'est-à-dire que le salaire net est trop faible pour beaucoup de Français. Ce qu'ils touchent à la fin du mois est trop bien à passer. Vous êtes d'accord avec ça ? Et le salaire brut, en revanche, pour l'entreprise, est trop élevé. Parce que le patron vous donne 2000 euros, ça lui coûte lui 3500 euros. Enfin, c'est une catastrophe. Il veut vous augmenter, ça lui coûte une fortune, donc il ne vous augmente plus. Il veut vous donner une prime. Ah ben non, parce qu'imaginons, il veut donner une prime de 5000 euros. J'exagère exprès, je donne une grosse somme exprès. Et ça lui fait 4000 euros de charge. Il se dit, tant pis, il n'a pas sa prime. Il a bien bossé pourtant, mais il n'a pas sa prime. Donc moi, ce que j'ai essayé de trouver, c'est comment on fait pour passer entre les deux, voyez, pour augmenter le salaire net sans augmenter le salaire brut. Et j'ai trouvé quelques petits cailloux que je vous propose de suivre avec moi. Le premier, c'est réduction de la CSG sur tous les salaires inférieurs à 2000 euros. Ça fait une augmentation de 105 euros par mois. Ça fait à la fin de l'année un 13e mois pour quelqu'un qui est payé au SMIC. Vous allez me dire comment je le finance. Je vous le dis tout de suite. Je supprime les prestations sociales, ce qu'on appelle non contributives, c'est-à-dire le RSA, les allocations familiales, les allocations logement aux étrangers. Ça me rapporte à peu près 20 milliards, et avec ça, je finance largement ma mesure. Deuxième mesure, le fameux, vous vous souvenez, le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy. Je le reprends à mon compte. C'est-à-dire que les heures supplémentaires seront payées intégralement, sans charge, sans impôt. Troisièmement, vous connaissez le principe de la participation voulue par le général de Gaulle il y a longtemps. Seulement, franchement, c'est hyper compliqué. On ne comprend rien. Il faut des conditions sans fin pour toucher l'argent. Il faut faire un troisième enfant. Il faut acheter un appartement. Il faut... Enfin, un truc. Mic on.